aujourd'hui nous sommes le 21 novembre et je suis à l'intérieur du manège de Bandol qui existe depuis 30 ans. On me souffle à l'oreille depuis 30 ans. Et là on est en train de démonter tout le manège. Par la volonté du maire. Par la volonté de notre maire, M. Palix. Alors je m'approche de la propriétaire de ce manège, qui peut-être pourrait nous dire un petit peu d'abord, vous dites que vous êtes là depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans, vous exploitez ce petit manège. Oui. Et d'une volonté de la mairie, il est démonté. Pour être, je crois... Remplacé par un carrousel. Remplacé par un carrousel. Par un autre manège qui est un carrousel. Un autre manège. Et les raisons qui font que ce manège, le vôtre, est démonté, vous les connaissez Ben oui, mais le maire veut mettre un carrousel à ma place, uniquement, c'est tout. Parce que nous étions en règle sur tout. Oui. Et qu'il y a beaucoup de commerces qui ne sont pas autant en règle que nous. Et on s'en va être à contre-cœur. Parce qu'on a fait la joie de beaucoup d'enfants. Bien sûr. Et les parents sont mécontents. Et vous avez une grosse peine de ce départ. Tout à fait. On vous a fait une proposition pour que votre activité devienne un carrousel, par exemple, de savoir si c'était possible ou pas. Oui, mais le prix ne pouvait pas me... C'était pas possible. C'était impossible. Financièrement, pour vous, c'était pas possible. 350 000 pour avoir la place, plus l'achat du manège. 000 euros pour avoir la place. Oui, que la personne qui va prendre doit donner 350 000 euros pour la place. Et ensuite... Ça sera sous quelle forme? Ça sera une concession? Ce sera une concession, je crois, pour 7 ans. Pour 7 ans. Je crois. 350 000 euros. En plus, l'achat du manège, qui lui coûte au moins 200 000 ou 250 000 euros. Alors, ma foi, là, c'était au-dessus de mes moyens, parce qu'on travaillait, on vivait. C'est tout, hein. On ne faisait pas de fortune. Vous êtes commerçant, vous avez un statut de commerçant, vous êtes bien sûr, comme commerçant. Tout à fait. Donc là je suppose que vous arrivez à un âge de la retraite. Vous allez vous arrêter, là, vous n'avez plus d'activité. J'ai demandé ma retraite, là, oui. Mais je pouvais continuer parce que les gens avaient l'habitude de nous voir. Bien sûr, ils peuvent demander à tous les gens, et ils verront que tous les gens qui sont venus au manège signer les pétitions ne sont pas contents qu'on parte. D'accord. Et ils sont encore venus là ce matin. Ils sont pas contents. Ça fait aussi 30 ans que je suis sur le port. Et je vous connais depuis que je suis là, en fait. Hein. Il y a beaucoup de gamins qui sont venus, dont les miens, mes petits-enfants aussi. On n'a jamais eu d'histoire. On a toujours été en règle. On n'a jamais eu d'accident. Il y a certainement les raisons qu'avance la mairie pour vous faire partir et prendre un carrousel sont... C'est pour améliorer Bandol, paraît-il. Pour améliorer dans quel sens? Faire un peu comme Cannes, Saint-Tropez, voilà, mais je vois pas Bandol... Comme Cannes et Saint-Tropez, voilà, pas du tout. Qui sont des villes qui ne sont pas du tout Bandol. En fait. Et je peux dire que le gars qui prendra la place, il va être déçu rapidement du chiffre d'affaires. Mais il y en avait déjà un, le manège, un carrousel. Il y en avait un, le carrousel, à côté de l'office du tourisme. Et il est parti parce qu'il veut passer les affaires. Mais ils en ont mis un autre à la place. Hein. C'est pas un carrousel, c'est un petit carrousel. Celui-là, je crois qu'il va partir aussi. Il paraît, oui. Alors nous, on a 3000 signatures. Hein. Pour le manège. Oui, mais bon, les signatures, apparemment, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Non, non. Si vous voulez le dire, vous pouvez. Bien sûr, ben là, c'est enregistré. Étant donné que la place appartient à la mairie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils la reprennent. Là, je crois que la concession était terminée. C'était pour 5 ans. Moi, je l'avais de 5 ans à 5 ans renouvelable. Et ça, c'est, normalement, c'était l'année dernière que vous deviez partir. C'était l'année dernière, mais... Non, il ne m'a pas laissé. Non. J'avais la concession pour encore un an. Ah, d'accord. C'est pas... Il ne m'a pas fait ça gracieusement. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Il ne m'a pas fait gracieusement. Il me l'a fait parce qu'il n'avait pas dû voir que j'avais droit encore un an. Mais après, j'ai insisté en prenant un avocat et me défendre pour essayer de rester encore un peu. Mais c'est...
le pot de fer contre le pot de terre. Oui, tout à fait. Mais ça appartient à la mairie, à la commune. Ça appartient même pas au maire. Parce que lui, quand il va partir, si ça se trouve, il y aura encore des problèmes avec l'autre. Hein. Alors bon. On est d'accord, c'est que c'est je m'en vais à contre-cœur. À contre-cœur, est-ce que vous voulez passer un message à ceux qui regarderont la vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de bandolés qui regardent la vidéo, et même d'autres personnes qui habitent ailleurs. Oui. Si vous voulez passer un message pour leur dire au revoir, pour leur dire que je regrette beaucoup de ne plus les voir. C'est tout. Autant les enfants, les petits-enfants. Ah ben oui. Les deux. Les trois, toute la famille. La famille. La famille et les enfants qui ne me verront plus. D'accord. Là, vous devez avoir un déménager quand, aujourd'hui, demain Ben, j'ai jusqu'à la fin du mois, on va partir avant. Dès que c'est fini, on s'en va. Hein. On ne va pas rester s'implanter. Dès que c'est terminé, on s'en va. Je lisais que je crois que vous deviez laisser les lieux en l'état, c'est-à-dire tels que vous les aviez trouvés. Voilà. Vous n'avez pas d'infrastructure qui sera. Pas du tout, moi c'est tout sur cale. C'est goudronné comme là. Dessous. D'accord, donc ça va. On va juste balayer, nettoyer. Pas embêté, ouais. Ah, pas du tout, je crois pas quand même. Il y a pas dites-moi votre petit nom quand même. Berthe. Je vous dis. Berthe et Baya, mon nom c'est Baya, mais enfin les enfants ils vont pleurer quand ils ont pu me voir. Mais j'espère qu'ils mettront un petit message et puis que vous le lirez et puis qu'ils se manifesteront. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. C'est que, voilà. Moi aussi je regretterai parce que c'était quand même quelque chose de. C'était bamboulé, c'était le manège bamboulé. Quelque chose d'ancien qui était abandonné, qui était inclusé à bamboulé. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis, bon courage. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.